Le boulot d'écrivain, c'est quoi? Je vais vous le dire ce que c'est que le boulot d'écrivain. C'est 10% de talent, 90% de sueur. Voilà ce que c'est. Ouais, c'est de moi. Ça vous plaît? Vous pouvez me citer si vous voulez. Mais le talent, c'est rien. J'en ai marre de tous ces types qui se prétendent écrivains. C'est tellement facile. Après, tout le monde peut se dire écrivain. D'abord, on dit pas écrivain. Quand on est modeste, on dit auteur. Oui, il y a une différence. Évidemment, il y a une différence. Ça fonctionne par échelon. C'est comme dans une entreprise. Vous commencez grouillot, vous finissez écrivain. Entre les deux, il y a auteur. Moi, je suis auteur. Comme au ski, si vous préférez. Vous n'êtes pas skieur si vous vous êtes pas tapé régulièrement une piste noire sans vous casser la gueule. À la piste rouge, vous êtes encore auteur. Vous comprenez? Eh ouais, c'est vachement hiérarchisé, il faut pas croire. Par exemple, moi, je tire en moyenne à 5000. C'est pas mal. Un écrivain, lui, il va tirer à 10 000. Vous voyez? Je suis pas loin. Les ventes? Non mais ça n'a rien à voir. Il y a des écrivains qui vendent que dalle. Et des auteurs qu'on réimprime. C'est ça qui est scandaleux. Quand vous regardez mes chiffres de vente par rapport à... Je vais dire n'importe quoi, hein. Tenez, par rapport à James Ayron. Vous voyez ce que je veux dire? La frontière est quand même vachement ténue. Lui, c'est un écrivain. Moi, je suis auteur. Et tant qu'il y aura des cases comme ça en France, la patrie de Molière et de Solers, je vous le rappelle, on continuera comme ça. C'est tout. Moi, j'écris des romans policiers, des trucs sociétals, si vous préférez. C'est-à-dire que je m'inspire du quotidien. Le quotidien de tous les jours, hein, attention. Pas l'autre. Et puis j'en fais ma trame principale, mon canevas, si vous préférez. Mon chemin de fer, mon fil conducteur. Non, rouge, plutôt. Ouais, c'est ça, mon fil rouge. Je préfère fil rouge, il faudra enlever fil conducteur en montage, ok? Et puis là-dedans, je coule mes personnages. Des personnages vrais. Attention, hein, pas des héros. J'aime pas les héros, c'est trop facile les héros. C'est archétypal et les gens n'aiment pas ça. En général, je prends un homme, la trentaine, moche ou beau, hein, je m'en fous, hein. Mais brun. Ah ben non, surtout pas blond. Les blonds, je les garde pour les méchants. Pourquoi? La peur du boche. Ah ben oui, c'est là, dans l'inconscient collectif. On peut pas faire n'importe quoi. Et des femmes autour, c'est nécessaire. Ouais, elles peuvent être blondes, c'est pas un problème. Oh, vous savez, la journée de travail d'un auteur, elle ne diffère pas de celle d'un autre. Le tout, c'est d'avoir une bonne nuit de sommeil. En général, moi, je mets mon réveil vers 6 ou 7 heures. Après ça, un bon petit déjeuner, pendant lequel je lis la presse. La plupart du temps, c'est là que je trouve mes histoires. Attention, je ne me contente pas de la colonne des faits divers. Je laisse ça à certains de mes collègues, si vous voyez de quoi je parle. Je lis la presse internationale. En général, ça me prend une bonne heure. Ah ben oui, une heure minimum, et c'est pas du temps de perdu. Lire, c'est important quand on est auteur. C'est de l'exercice. C'est comme, faire des tractions quand on est un sportif. C'est pour ça qu'ils ont rien dans la tronche, les sportifs. Ils lisent jamais. Sur les solutions possibles. Et à 23h50, je vous donne rendez-vous pour un spécial Sarko Info. Bâtissons une planète plus intelligente. Après, seulement après, je peux me mettre au boulot. Génération responsable. La mise en condition est hyper importante. J'avoue, je fonctionne un peu en cérémonial. Tout d'abord, je mets de l'or sur mon bureau, c'est primordial. Chaque jour est différent du précédent. Après, j'allume mon ordinateur. Et là, j'ouvre mon dossier de travail. Généralement, je relis tout le travail de la veille. J'annote quelques points importants. Oh ! Le con. Oh !
Et quand je suis satisfait du résultat, la vraie partie du travail peut commencer. Il faut bien comprendre qu'écrire me prend du temps. 90% de sueur, rappelez-vous de ça. J'ai besoin de calme avant tout, d'avoir la tête reposée. Je suis pas à proprement parler quelqu'un de maniaque. Mais dans mes moments de créativité, je suis un fou. C'est pas compliqué. Dans de tels moments, je suis littéralement autiste. Le téléphone peut bien sonner, je l'entends même pas.